Ah, enfin, je vois la maison. Bon, ce problème, c'est qu'il commence à faire nuit. C'est pas très conciliante. Et merde, j'avais oublié ça. Bon, on contourne. Allez, dépêchez-vous. Allez. On contourne la crevasse. Enfin, la crevasse. Non, je suis allé trop loin. Venez là, suivez-moi. Je suis votre seigneur et maître. J'ai le blé. J'ai du blé. J'ai du blé. J'ai du blé. C'est comme les humains. Quand t'as du blé, ils te suivent. Viens là, toi. Allez. Allez, ils ont regagné de l'intérêt. Allez, viens. Attention. Attention aux trous, les vaches. Hein. Faites gaffe aux trous. Hein. C'est bien. C'est la neige qui vole. D'accord. Allez, venez là. Venez là. On y est presque. Courage. Ils ont pas intérêt à m'emmerder pour passer la porte. Hein. Ah, puis les escaliers, ensuite, ça va être gênant. Ah oui, parce que moi, je l'ai vu en intérieur. Hein. Rien à foutre, c'est des vaches en intérieur, ça. Allez, les filles, venez. Allez. Non. Elles vont me faire chier. Elles vont me faire chier. Les filles, suivez-moi avant que les monstres rentrent, s'il vous plaît. Non, là. 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 Allez, venez. Rentrez. Rentrez. Une, deux. Bien. Alors, vous attendez une seconde. Rentre. Voilà, déjà. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, mesdemoiselles, elles n'arriveront pas à passer. Si, elles y arrivent. Super. Allez, les filles. Bon, le plus dur est fait en tout cas. Hein, donc, le plus dur est fait. Puis il va falloir trouver un endroit où les parquer. Il y en a une qui m'a pas suivi. Elle viendra bien assez tôt. Alors, la vache, la vache, la vache. Où vais-je te ranger? Où vais-je te ranger, toi? J'y ai pas pensé. Merde. Tu viens? Tu viens. Tu viens? Tu viens encore. Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. J'ai rien sur moi. J'ai rien sur moi qui me permettrait de créer un truc. Bon, on va improviser. Improviser, improviser. Improviser, improviser. Attends, voir. Hop, on va peut-être pas tout faire. Pas tout en bâton, s'il vous plaît. Ne bouge pas, toi, hein. C'est bien ça. Hop, on s'en fait quelques-uns. Je ne sais point, je ne sais point, je ne sais point. Je ne sais point. Là! Là, vous serez là-dedans. Viens là, toi. Viens là. Voilà! T'es chez toi. L'autre. Je veux l'autre. Je veux l'autre, elle a pas pu se barrer, la porte est fermée. Je veux l'autre. Je veux l'autre. T'es où? Saleté. Saleté. Voilà, elle a monté les escaliers. C'est une malade celle-là. Allez, viens. Je suis en bas. Je suis en bas. Là, faut descendre. Faut descendre. Non, pas. Non, non, reste pas au-dessus. Voilà, c'est bien. Allez, par ici. Suis-moi. C'est bon, ça y est. Ça y est. Ça y est. Allez, descends. C'est bon. C'est bien, descends, suis-moi. Suis-moi, suis-moi. Encore. Non, 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 va sur le côté. Va légèrement sur le côté, tu pourras passer. Quelle est conne cette vache. Quelle est conne. Quelle est conne. Quelle est conne.
conne. Voilà. J'ai fait des barrières, oui. Il va me falloir aussi. Ça, à la limite, c'est pas bien grave. Allez, viens là. Tu t'amuses à quoi, toi? Pas question que tu sortes, hein. Par contre, ce qu'il faudrait. Qu'on n'arrivera pas à passer à cause de ça. Non, c'est le blé qu'il faut tenir. Et passer où? Et passer où? Mais elle est où? Tu te fous de ma gueule? Oh, ce trou-là. Oui, bien sûr. Bien sûr, vu comme ça. Hé, la vache. La vache. Ouh, je suis là. La vache. La vache. C'est bien, la vache. Allez, viens, la vache. Viens, la vache. Viens. Viens par là. Vas-y, t'y es presque. Vas-y. Oui! Victoire! Vic est... Victoire! Hop! Et hop! On va se dépêcher de remplacer ça par une porte, ce sera beaucoup plus pratique. Quoique, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bon! Très honnêtement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce nanana à foutre? Du lait, ça y est! Ouais! Enfin! Enfin du lait. Bon. Alors, maintenant. Maintenant que j'ai tout ça. Et que j'ai tout plein de bordel sur moi. Mais c'est pas bien grave. Il va me falloir un peu d'eau. J'ai aménagé ça vite fait. Voilà. Comme ça, on a de l'eau à l'infini ici. Maintenant que j'ai du lait, maintenant que j'ai. Il me faut les tasses. Il me faut les tasses, il me faut les tasses. Voilà, on prend tout. On prend tout, on met les choses là-dedans. Courage. On va y arriver à faire le fromage. Il faut réussir à faire le fromage. Le délicieux fromage. Est-ce que c'est comme ça que Cup of Milk? Oui. Et il a la décence de me rendre un seau vide, il est très gentil. Sauf que la Cup of Water, elle est absolument pas nécessaire. Par contre, on va devoir s'en servir pour faire notre, pour récupérer notre vinaigre. Alors, un peu de charbon. Donc, il faut mettre l'eau ici. Ça doit être ça. Mettre la canne à sucre là et on fait cuire. Voilà! Voilà, ça nous donne du délicieux vinaigre. C'est très bon le vinaigre. Paf! Du vinaigre, j'ai du vinaigre, j'ai du lait. Et donc maintenant, en toute logique, je crois que c'est le lait qu'il faut que je mette ici et le... Paf! Que cette saloperie m'a bouffé les deux tasses en fait. Ça fait aucun sens! Et donc là, oh, je peux en faire des tranches, des fromages. Les tranches, elles peuvent servir à quoi? Faire un sandwich, fromage. Ou un cheeseburger. Oh, un cheeseburger! Le hamburger, non, le hamburger, on s'en sert comment? On le fait comment? Avec deux tranches de pain, un pâté. Et le pâté, on le fait comment? Avec du pâté cru, d'accord? Et le pâté cru. Arrête un peu de te foutre de ma gueule, hein. Il faut deux grandes beefs. Et le grand beef, donc processed tri-type. Ouais, avec du raw beef. Il faut donc du steak cru. Il va aussi me falloir du pain. Ah, bon sang. Où est le pain? Où est le pain? Bread. Slice of bread. Loaf of bread. Il me faut de la pâte. La pâte avec de la farine. De la
farine et de l'eau. Et la farine, ça se fait directement avec du blé dans le process. Bon, bon, bah, ça veut dire que j'ai les trucs sur moi, c'est bien. Non, le process. Le process. C'est-à-dire que là, je mets ça et ça. Ça me donne de la farine. Cette farine, on va la mélanger. C'est un foutoir là-dedans, c'est pas possible. On va la mélanger dans ça. Hop. Hop. Ça donne de la pâte et ça bouffe le seau avec. Oh! Bon, qu'il soit rangé ailleurs, mais non. Mais putain, quelle horreur! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, à la limite, c'est pas grave. Ça va être de la farine pleine de fer, c'est pas... Alors, une fois cette pâte... non, c'est pas des tartes que je veux faire. Putain, toutes ces possibilités. Dans le four! Le four, là. Là, le four. On met de la pâte. On fait chauffer. Alors ça permet de régler la température, donc la vitesse à laquelle ça va cuire. Si ça cuit lentement, ben, ça mettra plus de temps, mais ça risque pas de brûler. Enfin, ça risque pas. C'est-à-dire qu'on va avoir le temps de réagir. Alors que si j'y mets à fond, mais à fond, ça va cuire beaucoup plus vite, au risque de brûler rapidement. C'est ça le risque. Donc ça y est, on a notre pain. Voilà. Est-ce que j'ai du steak? Est-ce que j'ai de la viande de vache? La viande de vache crue dans un coffre. Merde, ils sont tous cuits. Voilà qui devient gênant. Est-ce qu'on peut se servir de ça pour faire se reproduire les vaches? Je crois que j'avais déjà vérifié un coup. Oui, on peut. Très bien. Très bien, très bien. Il me faut une porte. Il me faut une porte. C'est juste nécessaire. C'est juste nécessaire. Ah, il me manque un bloc de bois. Tu te fous de moi? Mais non, il me manque pas un bloc de bois. J'en ai plein ici. Aïe. Porte de barrière. J'aimerais juste que les vaches s'éloignent un peu. Je veux pas qu'elles s'en aillent. C'est bon. Allez, poussez-vous. Aïe, j'ai la viande. J'ai la viande. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Je veux mon cheeseburger. Je veux mon cheeseburger, j'aurai mon cheeseburger, rien à foutre. Donc. On va en mettre qu'un seul, hein. L'autre on va le mettre là-haut. Alors. Non, c'est pas là-dedans, c'est là. Paf, deux grandes bifs. Hop. Raw hamburger patty. Bien. Lui, il faut le mettre... Ouais, c'est dans le four, hein, et nulle part ailleurs. Pas de ma gueule, toi. Tiens, brûle. Chauffe, cuit. Brûle, chauffe, cuit, et tout ce que tu veux. Alors je pourrais faire plusieurs trucs en même temps, oui, mais ce serait sûrement plus efficace au niveau énergétique. Mais bon, écoutez, c'est pas bien grave. Voilà, on va éviter de le brûler, hein, le pâté. Et donc là, on le met entre deux tranches de pain sur une assiette. Et une fois que ça se sera fait, on pourra rajouter une tranche de fromage dedans. Et après, on peut mettre du bacon en plus. Et le bacon, lui, c'est avec du porc salé. Donc du porc, ça d'accord, mais du sel. Je sais pas comment on récupère le sel. Écoute, on va déjà faire le... On va déjà faire ça.
Même, je vais en faire deux. Et en... Enfin, deux. Oui. Oui, je vais en faire deux et en manger un. En faire deux et en manger un. Ça dure longtemps, ça. Et... C'est cool. Je vais en faire deux et en manger un. Vite. Vite. Est-ce que t'as le temps de cuire quand même? Fais péter. Dis-moi que t'as le temps de cuire quand même. Qu'il y en a assez de chaleur. Vas-y, fais pas chier. Et si, il fait chier. Ça brûle ça ou pas? Oui, ça brûle. Allez, à fond, rien à foutre. Chauffe. Le problème, c'est qu'on voit pas de progression. C'est dommage, ça. C'est dommage, ça pourrait être pratique de voir une petite progression de cuisson, tout ça, tout ça. Ça pourrait être pratique. Ça y est. Ça y est, j'ai le pâté, c'est bon. J'ai le pâté. Alors. Ce qui fait que si je fais ça comme ça, ça ne peut pas se stacker là-dedans, hein. D'accord. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Non? C'est pas ça? Bah si! Peut-être qu'il veut qu'on en fasse qu'un seul à la fois. Ah, c'est ça, hein, il veut qu'on en fasse qu'un seul à la fois. C'est un peu bizarre, alors pourquoi il met plusieurs lignes? Aucune idée. Ouais, voilà, bon. Ok. Ok. Et une fois qu'on a les burgers, une fois qu'on a les burgers, on se dit fromage. Quoique je vais même pas le manger en fait. Juste... Ouais, on peut pas en faire autre chose. Hein. Toi, ouais. Non, on peut pas autrement le mettre entre deux tranches de pain simplement pour avoir un sandwich fromage. Ouais. Bah si, écoute, je vais quand même. Je vais quand même faire ça, puis je vais en manger un. Quand j'aurai faim. quand j'aurai faim, bien sûr. Quand j'aurai faim. L'autre, on va le mettre là. Il faudrait que je prévoie un autre coffre d'ailleurs pour les recettes terminées. Ah ben oui, je vais tout faire. Faut bien que je les conserve quelque part. Alors, remarque, là-dedans, ça peut déjà remplir ce rôle. Ça peut déjà. Ouais. Et ça dure vachement longtemps. Il y aura besoin au moins d'y recharger. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Bon. Ceci étant fait, la glace, je vais la stocker là-dedans. Je crois que je pourrais en avoir besoin. Le reste, je vais le ranger. Le reste, je vais le ranger. Je vais le ranger, je vais le ranger. Alors, il y en a un peu là. Un peu plus. Canne à sucre, canne à sucre. Canne à sucre. Et ici. Canne à sucre. Avec des petites graines. Hop, hop. Plus de graines, plus de bouffe. Ça, c'est dans les grappes de créatures. Regardez. Le verre qu'on fout là. Les trucs en bois qu'on fout là. Voilà, le tri est refait. Le tri est refait. Le tri est refait. Ceci étant fait, ceci étant dit, ceci étant bien, là-dedans bien sûr il n'y a que dalle, ça, donc il n'y a rien à modifier pour l'instant. Je sais me servir de ce truc-là qui apparemment dure assez longtemps, c'est super. Ah remarque, ça compte peut-être en nombre d'utilisations. Peut-être, peut-être. Ce serait franchement sympa. Ce serait franchement sympa. Autrement, est-ce qu'il y a un autre truc
Je sais pas, le beurre, ça se fait simplement en process recycle avec une tasse de lait, d'accord. Et ça se... C'est utile dans quoi le beurre? Butter de toast, qui lui peut être utilisé pour... ouais, pour faire des toasts en gelée. Avec de la confiture. Oh, de la confiture. De la confiture, de la délicieuse confiture. Gélatine sans image, youpi. Carrot cake. Est-ce qu'il y a une recette de gâteau double bacon cheeseburger? Ils sont malades. Oh, avec deux bacon cheeseburgers, tu fais un double bacon. C'est des malades. C'est des malades. C'est des fous. Oh, il y a des... On peut faire des glaces. On peut faire des glaces. On peut faire... Des trucs brûlés! Non, c'est beaucoup moins intéressant. À part les glaces, on peut pas faire de... de gâteau... gâteau. Salt and beef, breaded chicken... Cacao, du chocolat chaud. Du chocolat! On peut faire du chocolat. Et des graines de cacao et du sucre dans du lait. Ça, je sais faire, ça, je sais faire, ça, je sais faire. Enfin, cocoa beans. Cocoa beans. Est-ce que j'ai des cocoa beans? Ça m'étonnerait que j'ai des cocoa beans. Ça m'étonnerait parce que les biomes jungle, j'ai... Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai pas le souvenir... non, hein, non, j'en ai pas. Si j'en avais, je les aurais mises là-dedans. Non, non, bien sûr que non, bien sûr que non. Du chocolat, quand même, du chocolat, du putain de chocolat. Bon! Donc la cuisine fonctionne, c'est super. C'est super, la cuisine fonctionne, je suis content d'avoir réussi ça, et j'ai fait en plus un sandwich à cheeseburger. Un cheeseburger. Que je m'empresserai de goûter dès que j'aurai faim. Par contre, ça bouffe les seaux, ça bouffe les tasses. Ça me plaît moyennement. Ça me plaît moyennement, hein, pour être sincère. Mais bon, ça fait partie de la chose. Alors, maintenant, ce que j'aimerais bien. Ce que j'aimerais bien. J'en ai pas de. Non, je peux... Non, j'en ai pas. J'en ai pas. C'est certain que non. J'aimerais bien réexplorer un coup. Bonjour, toi. J'aimerais bien réexplorer un coup la forêt du crépuscule. Alors, pas spécifiquement pour récupérer des minerais, hein, je dis tout de suite. Simplement pour revoir un peu les environs, les points d'intérêt éventuels, etc., etc. Ça, je vais pas le fouiller. Pas maintenant. On va aller plein ouest. Je suis déjà rentré un coup à l'intérieur rapidement, mais j'ai pas envie d'affronter la liche pour l'instant, très honnêtement. Quoique, tant que j'ai la régénération, ce serait l'occasion. Allez! Allez, on va se faire la liche. Enfin, on va essayer de se la faire. Je vois pas grand-chose dans les escaliers, j'ai juste essayé de ne pas tomber dans un trou. Puis on n'est pas très loin du sommet, donc... la liche nous tend les bras. Ah! Ah, des petites araignées! Des petites araignées, quelle horreur! Bon, évite de tomber dans les trous, s'il vous plaît! Exactement ce que je viens de faire, merci Nazmec! Allez hop! Toi tu dégages! Allez les petites, foutez le camp! Foutez le camp! Toutes! Eh bien! On continue de grimper. Ça y est, je commence à avoir faim. Alors, non, je vais y réserver le burger pour une grosse faim, histoire de bien voir sa valeur de nourriture. Eh, c'est bien un livre qui m'a attaqué, hein, avant. Allez, hop! Et voici notre chère Lich! Yeah! Il faut d'abord péter les boucliers, je vous rappelle. Oui, c'est vrai que les spectres ne servent à rien. Le livre, tu dégages. Enfin, ils servent à rien. Si, ils servent à m'attaquer. Ils servent à m'attaquer, ils servent à rien d'autre. Ouh! Je vole! Tiens, allez, je vais péter tes boucliers, bois. Avec les dégâts que j'arrive à faire avec cette épée. Ah! C'est pas à l'arc qu'il faut se faire. Non, non, c'est justement des boucliers protecteurs anti-arc.
Allez hop. Allez hop. Oui oui, il a perdu un bouclier déjà, bien. Deuxième bouclier qui saute. Troisième, t'as raison, fais-moi voler. Là-haut. Salaud. Descends. Saloperie. Il n'y a plus de bouclier affiché, mais on dirait qu'il continue à être protégé. C'est bien dommage. Allez, mon gars. Non, hein, toujours pas. Je suis bien content d'être sous le coup de la régène. Ah ah! Ça y est! Non, mais toi, tu dégages, zombie! Dégage, zombie, tu vaux rien! Tiens! 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 T'as aucune chance! Toi, dégage! Dégagez tous! Ça y est! Voilà qui est fait. Alors, j'ai récupéré. What? Putain! Est-ce que t'es sûr que j'ai assez d'armure? C'est pas vrai. Book and Quill, donc ça c'est sympathique. Ben of Arthropods, c'est de la merde. C'est quel? Celui du crépuscule, je ne sais plus ce qu'il fait. Projectile protection 4, Unbreaking 3. Waouh! Alors ça, des morceaux d'armure. Waouh, super! Des morceaux d'armure comme ça, ça m'intéresse vraiment. Parce qu'avec la table d'Anticraft, je peux changer leurs matériaux et donc je pourrais les mélanger avec ça, si besoin. Ou les faire simplement en remplacement. Mais ouais, ouais, ouais. Et puis bien sûr, le trophée de la liche. Super! Super, super. On va se mettre ça dans notre petit sac à dos. Tout ce bordel, là. Là, là. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Voilà, je sais que j'ai un autre sac à dos ici, hein, dans mon dos, vraiment, mais... Pour l'instant, ça va bien. Bon, voilà. On peut ressortir de là. On peut ressortir de là. Et repartir donc vers l'ouest, hein, comme je le disais. On va pas explorer plus que ça la structure pour l'instant. Je la refouillerai certainement plus tard. Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a tué le patron du lieu. C'est très bien. Maintenant que ça c'est fait, on va aller par là. On reste à peu près dans l'axe de cette structure, vu que c'est organisé, je vous rappelle, sous forme d'un quadrillage. Et donc en allant toujours dans cette direction, je vais forcément tomber sur un autre point d'intérêt de la forêt du crépuscule. Je ne sais absolument pas lequel par contre. Donc... Le principal, c'est que je reste toujours selon cet axe. Allez, on descend petit à petit. Hop! Ah, des citrouilles! Des petits lapins, bien mignons, bien jolis, tout mignon, tout plein. Le lapin est tombé de l'arbre, il est beaucoup moins joli maintenant. Le pauvre. Pauvre petit lapin, pauvre petit lapinou. Pauvre petit lapinou. Bon, c'est pas bien grave. Oh, wow. C'était quoi ce pic de ralentissement? Quelle idée. Ah, ça a l'air d'être une colline creuse, ça. Sauf que ça ne m'intéresse pas dans l'immédiat. Ça m'intéresse pas dans l'immédiat. J'ai regardé d'ailleurs. Ah, si, je me souviens à peu près. Le sel. J'avais vu ça ben, juste avant de tourner la session. Ça se trouve apparemment en bloc de minerai, hein, du minerai de sel, mais au fond des océans. Au fond de la mer. Au fond des cours d'eau, de la mer. Plus précisément, ouais. C'est peut-être bien spécifique au biome océan. Hmm. Ça me gêne un peu de devoir plonger. Mais bon. S'il faut, il faut, hein, écoute. S'il faut... Donc là, on vient de passer une colline creuse. Aïe.
Nous venons de passer une colline creuse. D'ailleurs, l'affichage de ma... Voilà. J'allais dire, l'affichage de ma santé est un peu buggé. Tiens, je récupère de la cannelle sur le chemin. Oh. J'allais dire qu'il était un peu buggé puisqu'on voyait pas mes deux petits cœurs jaunes. Ils sont apparus juste après. Ah, d'ailleurs, si je pouvais récupérer des pommes... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce fluide? Ça n'a pas d'effet. Bon. Qu'est-ce que tu es, toi? Qu'est-ce que tu es? Petit saut. Mushroom soup. La soupe de champignons. Des bassins de soupe de champignons. Ok. Admettons. Oh non, c'est une autre forêt du cri, une autre forêt sombre par là. Oh non. Oh, c'est la déceptance. La déception. Oh non, déception, la déception. Je suis très déçu. Je suis très déçu. Donc, bien entendu, je ne vais pas la traverser, hein. Je ne vais pas aller dedans. On va aller dans une autre direction, hein, tant pis. Est-ce qu'on voit encore la colline creuse d'ici? Ouais, peut-être. On va donc aller en direction du nord. Les grandes forêts, les grands arbres. Ah, les grands champignons. Très grands champignons. Ralentissement. Les très grands champignons, des champignons multiples. Que je ramasse comme ça des fleurs, des graines, ouais, si tu veux. Ça doit être du pétrole. On va éviter de le toucher. Pétrole, c'est toxique au contact. Ok, si. Non, ça c'est de la roche. Je dois déjà en avoir une à la maison, peut-être, mais je vais récupérer quelques citrouilles. Des citrouilles entières. Histoire de pouvoir faire un golem de neige à la maison. Ça fera une source de neige illimitée, ce sera cool. Et des loups, si vous voulez, tant qu'ils sont sages, moi, ça me gêne pas. Plus de lapins. Ah! Un labyrinthe. Ah, j'en avais déjà fouillé un, de comme ça. J'espère juste que c'est pas le même. Enfin, juste que c'est pas le même. Tiens, tiens, je vais manger mon cheeseburger. Elle s'est suicidée celle-là, non? Je vais manger mon cheeseburger. Ok. C'est la déception. Bon, c'est pas grave. Non, celui-là, je l'ai pas fouillé, sinon il aurait pas de spawner. Enfin, je suppose. Oh, il se met à pleuvoir. Non, j'aurais pas laissé autant de spawners actifs. Alors, nous avons une selle. Une pomme en or. Tu te fous de ma gueule? Je suis pas déçu, hein. Non, 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 au contraire, mais... Tout de même. Ça surprend un peu. On va éviter de trop. Ralentissement. Dégage. Ouais, déjà fouillé ça. Ah! Oh! De la pomme! De la pomme! Mais c'est que c'est très bon ça, de la pomme! J'ai besoin de la pomme! Deux coffres! Jour de fête! Ou pas! Non mais ok!
sans issue. Non, mais ok. Ok, super. Ok, super. J'ai bien fouillé. Je peux partir maintenant. Je veux partir. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais c'est super solide. Allez. Ah, zut! J'ai bougé le curseur. Allez, hop, casse-toi. Casse-toi, saleté. Allez. 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 Qu'est-ce que t'es? Ah, mais c'est de la mezzstone. Tu m'étonnes que ce soit dur. Je t'en mets en place. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai absolument pas besoin. D'accord. Ok. Ok, tu veux jouer à ça. Voilà, je suis sorti. Donc, maintenant... Ah non, je voulais pas me faire chier. Attends, est-ce que j'ai bien vu ce que je crois avoir vu? Eh? De quoi? Bon, par contre, la pluie, c'est chiant. Genre très chiant. Mais vous, vous avez de la glowstone, là, comme ça. Comme ça, peinard. Non mais... Non mais je rêve ou quoi là? Un petit arbre isolé là-bas. Il sent un peu seul. Ah. Je risque d'avoir besoin d'un bateau. Je risque d'avoir besoin d'un bateau. Ah, quoi. Oui, non. Non, on va pas prendre de bateau. Je vois que là-bas, il y a des feuilles, donc ouais, la terre est pas si loin que ça. C'est pas cette touche-là, non. Voilà, c'est le zoom de la mini-carte que je voulais. Ouais, ouais, ouais. Ah, quand même, hein, c'est grand. C'est grand, c'est grand. Hein. On dirait pas comme ça, mais c'est grand. Bonjour les daims. C'est quand même une belle étendue d'eau. Une belle étendue d'eau. Voilà. Allez, on traverse. Rien à foutre. Juste lent, vu que c'est la nage. C'est... Saleté de pluie. On pourrait pas faire un temps sec dans cette forêt. Blop. Blop. Bon, je vais jusqu'au point d'intérêt suivant, puis je pense qu'après, je vais arrêter la session. Parce que, mine de rien, j'ai aussi d'autres choses à enregistrer. J'ai d'autres choses à enregistrer, j'ai des réserves à faire dans différentes... Bon. Bon. Toujours pas de remplaçant pour Darksiders 2... Enfin, si, je pense savoir lequel, mais j'ai toujours pas enregistré la chose... Pas le faire avant un petit moment, d'autant plus que la dernière de Darksiders 2, je sais pas exactement quand cette vidéo là en ce moment où je parle va être diffusée, mais la dernière de Darksiders 2, le Tribularium, ouais. Vous avez sûrement déjà dû le voir depuis le temps, mais ah, c'est notre tour de liche. Oh zut, oh c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Donc je dis point suivant, rien à foutre, je vais. Je vais aller au suivant quand même. Pas celui-là, mais celui d'après encore. Il y a d'ailleurs quelques défauts de conception, j'ai l'impression. Oula, attention. Ouais, je pense que la dernière de Darksiders, je vais devoir la tourner à nouveau. Tourner une seconde fois. Tribularium, il s'était pas passé comme prévu. Mais bon, vous savez déjà ça depuis longtemps, normalement, si vous avez suivi. Ici, effectivement, j'ai bien rediffusé depuis, parce que sinon... Non, mais c'est pas bien grave. C'est pas passé comme prévu. Bon.
Allez, le point suivant. Allez, hop. Un point qui est de l'intérêt. Oula, un point qui est de l'intérêt, s'il vous plaît. Un minimum, juste histoire de le marquer sur le radar, voyez-vous, et y partir l'esprit tranquille. À moins que ce soit... C'est une colline creuse. C'est une colline creuse, et ça c'est... Le jeu s'est figé à un moment, ça m'inquiète. Bon, ben tant pis. Ben tant pis, ben tant pis. Je vais juste donc rentrer à la maison, ce sera très bien comme ça. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, soirée, ce que vous voulez. C'est la fin de la session, et puis... Et puis voilà. Et puis voilà, voilà tout. Allez, à la prochaine. Salut, salut.